Alaska, dernière destination. On s'attaque à Nome. Avant, les principales industries de Nome étaient l'exploitation minière et la pêche de saumon. Aujourd'hui, ce sont le pétrole et l'approvisionnement du centre de recherche Orpheus. Très très sombre, j'ai l'impression, cette dernière zone. Contamination, scan séquentiel, protéger la charge explosive. Alors c'est là où... ah, il y a petite bombe. Non, là c'est une vraie explosion. Alors là, on a deux missions qui sont vraiment pas simples. Hein. Il va falloir tenir des positions. J'hésite entre la force et puis la furtivité. Le docteur est de service. On va sortir le doc. On va sortir le doc. Et j'hésite entre des explosifs et de la protection. Le problème, c'est que les explosifs, une fois lancés, c'est fini. Allez, on se lance. Après ça, on déverrouillera la toute dernière destination. On a détecté des nids anormaux, une autre souche mutagène. Localisez les nids. Dans Outbreak, à la fin, il y avait une zone, je sais plus si c'était en Alaska. Donc là, recherche l'univers. Ça c'est fait. Il m'a donné son point faible. Je recharge. Si vous pouvez éviter de remuer et mourir. Pour profiter de l'air marin. Alors toi t'es quoi toi? Attaquer ma cible. Ouais, j'ai peur ce tourmenteur. Ah, c'est mon fléau le tourmenteur. Ah, l'eau est pas ouf ouf hein. Question, je me pose. Est-ce que le tourmenteur on peut se le faire en silence? Si vous ne localisez pas l'objectif, utilisez un dispositif de reconnaissance. Quand même pas mal parce que même si on se la joue en silencieux, ils sont quand même interpellés par ce qui se passe et on va voir ce qui se... Je crois que je recharge. Le problème c'est que lors des dernières vagues ça sera pas aussi simple. Ah merde. J'ai pas de visu dessus. Il est où mon ami? Pour l'instant ça va, on arrive à les maîtriser avec quelques balles. Troisième niveau, c'est pas toujours évident. Pas de traces. Mine 9. Pas de mutation là. On a de la chance. Hein. Enfin, pas les objectifs sont ardos. Hein. Si en plus on avait eu des.
Alors c'est là où on est arrivé. T'as pourtant la zone est pas très grande, non? La vie, tiens. Alors c'est vrai que je suis parti par là, mais j'aurais dû aller directement dans la direction de la sortie. Éliminez ces nids anormaux et obtenez un échantillon du néoplasme nocif directement à la source. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne les spotent pas. Parce que dès qu'on va commencer à les péter, ça va... Ça risque d'être un peu du monde. Ah, voilà. Vous y êtes presque. Éliminez d'autres nids anormaux pour Merde. Activer le néoplasme. Ah, je croyais que le verrou était sur celui-là, tiens. Ah, puis alors là. Là, c'est la fête au village. Hein. Attends, missionne. Ils vont essayer de me surprendre. Alors là, c'est pas un mur destructible. Il faut un angle. Utilisez votre lab react pour prendre un échantillon de la source. Oh là 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 là. Il peut apparaître. Le problème c'est où et quand. Voilà. Je dois recharger. Tout de suite quand on tape la tête, ça va mieux. Ça, c'est vrai, c'est... Échantillon. Rechargement. Cet échantillon devrait nous permettre d'éclaircir le mystère de l'écosystème du parasite. Je recharge. Bon, mais on peut se tirer. Bien aimé cette première zone. Utilise des lasers pour vaporiser l'eau à haute pression. Il me semble avoir vu au tout début une interaction ici, je crois. Des photos intrigantes. Donc le fameux visage sur la lune. Ah, voilà, nous c'est... savons que le parasite est attiré par certains métaux et minéraux, mais l'or n'en fait visiblement pas partie. C'est bon pour nous ici. Allez à la sous-zone suivante. Oh bordel. Que j'ai vu les autres. Vous récoltez les fruits de vos efforts, mais c'est pas fini. Ils essaient de voir si la dialyse permettrait de nettoyer le sang des toxines parasites. Mais c'est prometteur. Je vais me garder mon truc de vie au cas où. Ça se passe mal, enfin je sais que ça va mal se passer. Ouais, c'est à quel niveau? Trouvez un émetteur de catalyseur. Comme ça vous pourrez relever les données des phénomènes énergétiques du parasite. 100 mètres. La zone est beaucoup plus grande là. Vous
Fais attention aux petites bouboules jaunes. On va attendre que ça nous pète à la tronche. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ces... Rechargement. Ces saloperies. Putain! Alors, c'est la première fois depuis le début que elle me tire dessus. Pourtant, j'en ai eu pas très loin de moi, mais. Oh là, il y a du bruit. C'est un gouffre à balles, ces saloperies. Oh oh. J'ai vu un gros Je recharge. Un gros vilain par là. Oh là là, mais il y a une promo ou quoi? Non, celle-là. Ça la tue direct. Ah, où est cette zone de scan hein? J'ai peur qu'il va falloir aller près de l'extraction. En allant par là, il tombe dessus. J'ai bien le neuf par là. Oh là là, c'est infernal. Hein. Avec le bol que j'ai, les zones de scan elles sont juste en dessous. Envie qu'il me recrache dessus. Il y a un Monster Munch ici. Toujours pas de trace de ma zone de scan. Oula. C'est pas si le gros non qui s'est déplacé. Intéressant. Alors attends, vu que t'as foutu le bordel, autant... Bâtard. Ouais, il a pas voulu se mettre un genou à terre avant. Et merde. Emmerdé. Il est où Marcel qui me tire dessus là. Je
J'aimerais bien aller chercher, il y avait un truc de vie là, c'est pile poil le bon moment pour le prendre. Voilà. Ah d'accord, ok. Je me demandais d'où il sortait le mec. Il y avait un œil juste au-dessus, toi qui est bon. Bien que je trouve mon objectif parce que ça fait un moment de contourne. Activez l'émetteur. Okay. On enregistrera les décharges synaptiques du parasite. Je dois recharger. Je recharge. Je trouve tous les œufs du coin. J'ai quand même perdu 3 grenades avec mes bêtises tout à l'heure. Ah. Mort ou pas mort? C'est ça, on entend, non? Attaqué par les spores. Bon, est-ce que je tente le scan hein? Allez vers la première zone de scan. Initialisation du transfert de données. Archéen, on approche. Je recharge. Transfert de données terminé. Allez vers la zone de scan suivante. Ah. Non, j'ai cru entendre des... Ouais, ok. Bien. Alors, va pas à la zone de scat, Fanny, s'il te plaît. Tiens-toi, faire cette connerie. Je dois recharger. Ce qui serait bien, c'est que j'ai que le gros à... Ok. Alors ça c'est original, je me suis pété la gueule. On va remonter par contre, 6 minutes 20, attention, le temps joue pas en notre faveur. Initialisation du transfert de données. Ennemi en visuel. Tant qu'il n'y a pas de gros gros, ça peut aller. 60%. Je sais plus combien il y a de zones, 2 ou 3. À la zone de scan suivante. On storm munch en approche. Il y a surtout un emmerdeur. Putain. Ah. Merde, je croyais qu'il. On peut. Grenade. J'ai des balles. On dirait que ça a contrarié les Archéens. Faut mieux les tuer vraiment au fur et à mesure. 100%. Transfert de données terminé. On a les données qu'il nous fallait. On va pouvoir comprendre les mystères derrière les anomalies. Question, s'il y a-t-il un gros qui
qui a été libéré ou pas dans tout ça. Tout à l'heure j'ai tué un machin, je suis sûr qu'il m'attend en bas en fait. Ah non, il est là. Pas loin. J'en ai un jaune. Concentrez-vous sur ce qui marche ou improvisez en cas de besoin. Continuez d'avancer. Au départ, on a essayé de modifier des sas de navettes spatiales, mais ceux des sous-marins sont plus résistants. Rien de plus à faire. Séquence de sas, transition de sous-zone en cours. Les flèches arcanes aident nos ennemis à s'adapter à tout type d'environnement. Ces formations peuvent se développer un peu partout, alors ouvrez l'œil. Je recharge. Venir me voir. Rien. On a implanté des capteurs dans toutes ces structures bizarres. Celles qu'on a trouvées, en tout cas. S'il ne dure rien de bon ça. Plus 6 grenades. Hein. De notre structure. Je recharge. Vous avez localisé une flèche archéenne. Placez les charges et protégez le site jusqu'à mise à feu. Éliminez ma cible. Seul avant d'entreprendre une approche. Il y a un truc là-haut. Ça c'est fait. Oh oh. T'es éliminé juste à temps, mais... Toujours aussi peu généreux hein, dans ces dernières
dernier niveau. Je voulais perdre parce que si j'ai besoin de fuir. D'un autre côté, si on fuit l'objectif, il se fera détruire. C'est pas ce qu'on veut. Alors de toute manière, la réussite là du dernier objectif va absolument dépendre du type d'ennemi qu'on va nous envoyer. Si comme tout à l'heure, j'avais pas mal de, on va dire d'ennemis simples et un gros. Le problème c'est si c'est que des, s'il y a plusieurs gros, s'il y a des mecs résistants, là ça va être beaucoup compliqué à les éliminer et donc à les maintenir hors de. Les algorithmes de 3D spatial aident la logistique React à réduire l'espace nécessaire. En fait, ça, c'est un sas à la base. 36%. Ici, là. Par contre, ils ont pas laissé les lunes. Je peux quand même choper les points d'intérêt. On peut pas passer par là. Il y a vraiment. Rechargement. Pas de boîte, hein. Une fois on me fait mentir, mais tant mieux, c'est des mines, ça c'est bien. Si je pouvais avoir des grenades là, ça serait. Ah, il y a un gros là. Et encore un qui va me gaspiller des grenades. Alors, une dans le meilleur des cas, beaucoup plus. Ah, il s'est barré. Alors, s'il me donnait son dos, à la rigueur, je pourrais le. C'est con, je peux pas le. Oh putain. Ah merde! Je me suis retrouvé bloqué, j'avais pas vu la caisse. Ah, puis j'étais tout content, je me dis y'a de la vie. Oh là là. Ah putain, c'est décor point sarcel. J'étais juste là en fait, mon arme cachait la caisse. Et quand j'ai voulu aller à. Noter qu'il allait à droite, attention, je fais des. Ah c'est dommage, j'avais presque fait le sans faute. Bon, je pense qu'on va pouvoir y aller, on a récupéré de la vie, des mules. On va peut-être pas tout visiter, mais on a quand même sécurisé pas mal de choses. Alors, ce qui avait bien marché une fois, pour moi, c'était je m'étais coulé dans un coin qui me protégeait pas mal. Alors, j'ai peur en me mettant là que la porte, quand elle saute, elle me. Ah non, ça se pète, ça. Bon. Moment de vérité, là. Charge réacte activée. Lancement de la fusion. Hostile en approche. Protégez le site. Ah bah, et ça commence très bien. Commence par un gros. Bon, ça va, ça pas trop plus cher. Il y en a un deuxième gros. Grenade.
plutôt bien résisté pour l'instant. Ça va mieux. Je me sens mieux. On peut y aller. J'ai eu peur qu'ils envoient un troisième mot. Eh ben, on va le faire, on dirait. Tire-toi, Fredo, maintenant. Les flèches arcanes sont totalement éradiquées dans cette sous-zone. Bah, ça s'est incroyablement pas trop mal passé, quand même. Je trouve. Merci, Doc. C'est du sport. Pouvoir. Mais il faut pas que ça vous monte à la tête. La prochaine fois, découvrir la quatrième et dernière zone. Non. Ici Elisa Cohen, en plein désert, à 10 km de la zone critique. La reconnaissance par drone montre qu'il reste pratiquement rien de Truth or Consequences. J'espérais ne jamais revoir cet endroit. J'en fais encore des cauchemars. Mais pas le choix. Je veux plus jamais voir de vie fantôme. S'il y a des réponses à trouver ici, on va les trouver, c'est tout. Donc ça sera Truth or Consequences avec Hôpital de Sierra. Quand l'infection du parasite s'est répandue à travers les habitants de la ville, l'hôpital a reçu le plus gros du chaos.